sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite. Mais les autres animaux, c'était une araignée. Explique-moi le livre, t'as vu quoi? Hein? T'as vu une belle araignée? Oh, cette bronzée, eh ben moi je trouve qu'elle était super. Avant je rigolais et après moi je trouve qu'elle est plus bien. Mais je la trouve encore bien, mais surtout que j'ai jamais vu une araignée qui pique, et maintenant j'ai plus envie de la voir. Parce qu'une araignée ainsi, c'est très dangereux, cette araignée. Tu sais pourquoi elle est très dangereuse? Eh ben, elle est déjà dangereuse parce que, tu vois, elle est bronzée, puis elle a des picots, puis elle mord. Aïe, aïe, aïe. Puis elle a des picots, et elle peut piquer en plus. Faut pas avoir peur. Je sais que c'est un livre, mais j'espère que ça n'existe pas, cette araignée. Moi, j'aime bien les noirs, hein, qui n'ont pas de picots. Hein. Dans la douche, à chaque fois, j'attends pas maman, j'étais à la douche parce que j'ai peur qu'une araignée tombe de la haute douche, et l'araignée que j'ai racontée, parce que celle-là... Celle-là quoi?